Jeudi à ce dimanche 23 avril 2023, c'est avec un peu de plaisir, un peu de content pour moi, les petits collants capables d'arriver informer à travers l'émission Tribune Sport. L'émission ça qui est là pour capable vraiment informer de toutes dernières actualités sportives, sur le plan local et international. Nous vraiment présents chaque jour sur chaîne YouTube ça et TikTok. Nous demandons pour capable vraiment continuer à partager l'émission. N'a pas beaucoup de pause, n'a pas retourné. Nous retournons après pause là. Merci avec vous même qui était accroché avec moi et Mali Vitikoul là. Émission Tribune soit capable de mieux informer de toutes dernières actualités sportives. Merci parce que vous partagez contenu nous. Nous allons démarrer avec l'actualité. Real Madrid devait gagner 2-0 équipe Celta de Vigo dans le cadre de 30e jour de Liga Santander là. Mon qui marque pour équipe Real Madrid là, c'est quand même Marco Asensio et puis Eder Militao. C'est deux buteurs équipe Real Madrid là. Juste avant même équipe FC Barcelona joue jeudi contre équipe Atlético de Madrid là. Real Madrid gagne seulement 8 points qui séparent avec l'équipe FC Barcelona. Thomas Tuchel avec équipe Bayern Munich là. Et puis Nagelsmann qui est même avec équipe et Bayern Munich là dans le temps. 37 matchs pour Nagelsmann sous année 2022-2023. Il déconne seulement 3 défaites. Pourtant, Thomas Tuchel lui-même, pour 7 matchs, déjà connaît vraiment 3 défaites. Nous songez que, départagé avec vos statistiques, que ces derniers matchs, Thomas Tuchel avec Bayern Munich, c'est quand même 2 victoires, 2 matchs et puis 3 défaites. Borussia Dortmund, rivé gain dans la 29e journée, Bundesliga, 4-0 qui Francfort là. Ça qui permet que les venus nouveaux leaders championnat allemand avec 60 points devant l'équipe Bayern Munich là, qui est même venu deuxième avec 59 petits points. Quelques matchs qui paraît intéressant dans le programme dans les différents championnats. Bien, dans la Liga Santander, il y a Elche qui même a pu contre lancé pour 8 heures. Barcelone, Atlético de Madrid, 10h15. Que nous prenons pour nous partager plus d'états sur matin. Maroc, Getafe, c'est prêt pour 12h30. Et puis, à 3h pile, prêt à gagner Séville contre Villarreal. C'est prêt à un match intéressant dans la Liga. Dans la série italienne, nous prenons gagner à 6h30. Empoli, qui lui-même a gagné pour jouer contre Inter. Monza, Fiorentina, a gagné tout Udinese, Cremonense. Milan, Selense. Et puis, prêt à gagner Juventus de Turin. Nap, un match fort, journée ça. Toujours, ça qui concerne vraiment affiche intéressante. Dans le Bundesliga, après, Bayer Leverkusen a gagné pour jouer contre l'équipe RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach, le même, a joué contre l'équipe Union de Berlin. Ça qui concerne l'actualité, toujours à l'étranger, l'équipe Manchester City a vraiment a bien comporté là. Les revenus finale FA Cup, demi-finale Ligue des Champions, et au deuxième, dans la première ligue là, avec deux matchs en hauteur, c'est-à-dire, il y a une possibilité pour l'équipe Manchester City lui-même est capable de faire triplé, c'est-à-dire remporter FA Cup, arriver plus loin que possible dans la Ligue des Champions et puis comment est capable de doubler l'équipe Arsenal dans la première ligue. L'entraîneur Celta de Vigo lui-même a approché Eder Militao après le match là pour capable demander Maïwa lorsqu'il a été interrogé M. Sousa. Et bien, M. dit, ces petits garçons là qui étaient volés Maïwa et Eder Militao, moi m'a dit deux Maïwa déjà. Mario Petersic et puis Mario Eder Militao. Eduardo Camavinga sorti quand même sur un gros match face à l'équipe Celta de Vigo. Monsieur gagne seulement 20 ans, monsieur joue français. Il joue 90 minutes et il participe dans la victoire 2-0 équipe Real Madrid. 70 passes, 76 précis, 113 ballons touchés, 6 tribes sur 7 tribes réussies, 8 passes vraiment dans les derniers tiers. C'est-à-dire 8 passes dans le dernier carré, équipe adverse l'a réussi. 3 ballons longs précis, 2 tacles réussis sur 5 que le gain, sur 5 que le fait. Yon tacle en dernier, puis yon bloc 2 interceptions. Il récupère 10 ballons, il gagne 11 duels sur 18 duels. C'est vraiment intéressant pour Eduardo Camavinga. Frenkie de Jong et Pedri, jeune fille, vous capable de présenter pour l'équipe FC Barcelone. Bon, selon qui va gagner pour jouer jeudi en face équipe Atlético de Madrid là. Atlético de Madrid nous va faire coup d'œil dans 5 derniers matchs. 5 derniers matchs équipe FC Barcelona, il connaît vraiment 2 victoires, 2 matchs et puis une défaite. Les défaites victoire contre Real Madrid 2-1,
victoire contre Elche 4-0, défaite contre Real Madrid 4-0, match 0-0 contre Girona, match nul contre Getafe. Donc deux derniers matchs FC Barcelone fait deux matchs nuls là d'ailleurs. Depuis pour Atlético de Madrid, il fait victoire sur l'équipe Valence là, on dit 4 victoires pour l'équipe Atlético de Madrid là en défaite, 5 derniers matchs. Victoire sur l'équipe Valence là 3-0, victoire 1-0 sur Real Betis, victoire 2-1 sur Vallecano en déplacement. Besiktas a fait victoire sur l'équipe Atlético de Madrid 2-0. Et puis, dernier match que Atlético de Madrid a même joué là, contre l'équipe Almeria, il a fini 2-1 avantage équipe Atlético de Madrid. Mais rapide, vite, nous allons faire un coup d'œil dans le monde qui est capable de présent pour Barcelone et le monde qui est capable de présent tout pour l'équipe Atlético de Madrid. Il faut que nous disions que le match a lui-même jeudi à 10h15. Eh bien, pour FC Barcelone, capable de gagner Marc-André ter Stegen dans le goal là avec numéro 1 et puis Aro numéro 4, Marcos Alonso dans sa 17, c'est deux messieurs ça cap dans axe défense là, et puis à droite il est capable de jouer avec Jules Koundé dans sa 23, à gauche il est capable de jouer avec Baldé dans sa 28, dans le terrain Franck Kessié dans sa 19, Sergio Busquets dans sa 5 et puis Sergi Roberto dans sa 20. Gagné vraiment devant, qui gagné Rafinha dans sa 22, Robert Lewandowski dans sa 9, et puis Gavi dans sa 30, yon campé dans le système 4-3-3. Amen, font coup de rapide vite pour l'équipe Atlético de Madrid là. Les hommes du Diego Simeone, yon capable de jouer un goal avec Jean Oblak. Dans la défense, j'aime d'abord lancer Jiménez qui a accès dans la défense A, défense A5 ça, Jiménez dans sa 2, et puis Marcos Alonso dans sa 22, Goodsell dans sa 20, Molina dans sa 16 et puis Carrasco dans sa 21. Lemar et puis Lemar dans sa 11. Lemar sont Thomas Partey, Koke dans sa 6 et puis Rodrigo de Paul dans sa 5. Deux mon cap devant yo, c'est Correa dans sa 10 et puis gagné Antoine Griezmann dans sa 8. Voilà composition pour Bab équipe FC Barcelone équipe Atlético de Madrid. Xavi Hernández entraîneur équipe FC Barcelone monsieur parler. Je dis, Atlético de Madrid, c'est une bonne équipe. Simeone, c'est un bon entraîneur. Je fais un travail intéressant. Nous allons jouer contre vraiment un gros rival. Et nous sommes en état de grâce. C'est peut-être l'équipe la plus forte en ce moment. Antoine Griezmann est en pleine forme. Et Simeone fait un excellent travail. C'est comme ça. Et M. Dacou, Xavi Hernández même, l'État parlé de l'équipe Atlético de Madrid. Diego Simeone qui s'est entraîné l'équipe Atlético de Madrid parlé même avant d'y affronter l'équipe FC Barcelone surtout pour 30e journée Liga Santander là, et nous connaissons Barcelone même nous gagné, ils ont vraiment pression là pour continuer gagner puisque Real Madrid gagne hier. Si ça Diego Simeone par dynamique la presse. J'aime ce Barcelone, c'est un style barcelonais loin de chez soi. Ils ont grandi, ils ont eu une excellente saison. Ils se sont améliorés défensivement, ce qui est en plus contenu des caractéristiques de leurs joueurs. Et l'amélioration de la partie défensive est une valeur ajoutée pour le travail de Xavi Hernández, Diego Simeone, Namico La Presse. Juste avant de finir l'émission Tribune Soir pour aujourd'hui, laissez-nous dire merci avec Du Rosier qui dit bon travail, frérot, mais qui n'a pas dit qu'il côté le connecté. Gen Media Inter. Media Inter, c'est une parmi les médias capable de faire confiance avec Siri Information. Li partage en pile information sur le plan local et international, même Jacques Nafella. Ou capable vraiment passer abonné avec lui. Toutefois, il y a des petits couleurs passer abonné avec Media Inter. Merci pour ce que tu as suivi l'émission Tribune Soir. Nous vous rendez-vous demain pour notre sortie émission pour l'émission Tribune Sport. Merci parce que vous like, commentez, partagez. Merci avec vous-même qui pourra tout profiter, abonner, activer la cloche de notification.